Oh l'équipe, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Omar Habadi comme Flaharmonix TV, déjà on comme bonne année, meilleurs vœux. On te met comme gal khair, on soit la hook d'ailleurs maintenant, inshallah. J'espère que vous allez bien. Alors, lui, on a fait un unboxing. Habit de partager avec vous le sujet personnel. Ouh, il aime l'unboxing. Je quitte le marque de Gafia. D'ailleurs, il y a plein de petits connards qui ont fait Gafia. Mais l'unboxing est d'accord avec le sujet. Remarquez tout, les miniatures taillées, les photos de profil taillées, des fois même, allez, des fois même par exemple, avec les vidéos taillées et tout, que un des aïn d'aïr à l'aïn. Et vous là là là, je fais mes ou l'aïn n'a que ça à l'aïn. Et avec le problème, c'est ce qu'on appelle, jargon médical, un strabisme. Un strabisme, c'est un des aïn d'aïr à l'aïn, aïn à l'aïn. Genre un des un œil qui travaille plus qu'un autre, voilà. Et ce qui implique que de base on a un problème fainique. Donc on a par exemple mon problème, c'est quand je reste devant mon écran, je fatigue physiquement. Naya, il donne des maux de tête, assez ça parle, les migraines, et tout. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais beaucoup de montage, mais même streamer. Parce qu'il y a chaque chauffe, il y a beaucoup de streamers qui streament pendant 3, 4 heures, 5, 6. Des fois, il y a des marathons. Moi, je pourrais pas parce que là, c'est ça. Bref, l'unboxing de Tanali Omar, il va être super simple. Chaque chauffe, Babata Amazon, d'ailleurs. Et derrière le sujet, là, derrière, le fahma comme la boîte, si ça vous dérange pas. Donc, yani la boîte en soi, elle est classique, tu vois. C'est un petit colis Amazon, carton, derrière et tout. Le colis de Amazon Prime, il a rappelé deux jours, parce qu'il y a ça. Deux jours, voilà. Donc, l'objet, c'est ça. Elle est la boîte avec Toba. Du coup, design glasses, le chauffe, voilà. Et je pense que vous avez su ce que c'est. C'est des lunettes. Des lunettes design, c'est des lunettes geek, mais spécialement pour les joueurs de jeux vidéo. Les gens observent devant leur PC. Voilà. Voilà. Ça, c'est la petite boîte. Donc, comme les personnes les focusent observent devant leur écran. Et c'est des lunettes anti-reflets. Ils bloquent avec la lumière bleue. Et quand apparemment, l'île de tout. Donc le coffret il est comme ça. On a le petit penche pour ne pas les lunettes, sympa. Ça c'est quoi? Voilà, je sais pas ce que c'est. Comme tu vois. Ouais, c'est l'objectif, ouais, c'est même fait H. J'ai focusé l'équipe, I'm sorry. Je sais pas ce que c'est une tige métallique, ça a la forme d'un porte-clé. Ah si, c'est un tournevis, ok. C'est un petit tournevis, mais je n'ai que le vado qui soit au milieu, donc voilà. Et les lunettes en soi, on a un petit nylon. On va voir de quoi elles ont l'air. Ah, c'est bon. Bien soigné. Voilà. Nos petits bijoux. Allez voir. Voilà nos lunettes. Habayeb. C'est des lunettes comme tu peux le verre sphère. Voilà. On a les étiquettes. Il faut que nous ayons du corps et que nous ayons soit à la haine ou derrière. Bref, ça a l'air sympa et ça change bzzef, hein, welcome. Ça change grave bzzef. Donc on fait comme une image. Je te dis de savoir appareil photo, l'appareil photo t'as qui est mise au point. Je te dis sur mise au point qui flouté, mais pas que l'image tout les net. Et ben c'est ce qui se passe qui te le bzzef de les lunettes. Qui te le bzzef, عينيك شغل سي كوم سي درت ان فوال قدام عينيك عينيك يريحو دانك وتحس عندك شغل دي موسكل صغار هنايا هنا وهنا في لي بوبيغ تاعك شغل يترخاو دانك صافي سوبر بليزير اي كونتريرمون ا سكو فو بونسي
contrairement à ce que vous pensez vraiment, la couleur jaune elle dérange pas. Yani pour moi, l'écran derrière, mais il y a des couleurs naturelles. Il y a juste l'étiquette qui me dérange, mais bon, on s'en fout, je suis là. Super, rani super à l'aise. Le fait que rani la besan, je suis super à l'aise. Behan, la matière c'est du plastique avec les hal. Enfin, c'est un plastique sportif. Que j'ai fait avec le plastique les taouj et tout, super sympa. Finition antique. Que j'ai fait des fois, t'as vu qu'une chose soit en plastique. Mais je me finis les mêmes. Hado ma les finitions taham super bien. Alors, je vais vous bouger la caméra deux secondes. Je vais les poser sur le support taham fait le bureau et tout. D'accord l'équipe. Donc voilà les lunettes taham à l'équipe. Du coup, super Halloween. Ah, la finition est d'être comme elle est. C'est des bras en plastique. Mais où je c'est comme c'est un plastique super souple. Donc il est il est maniable. La couleur jaune, ça ne me dérange pas en soi. Ah, ils sont fournis le coffret du coup. Design glasses. Et comme l'éponge d'origine, comme les Thomas Hobéa. Voilà. D'ailleurs. Et bien sûr, il y a هذا المصقع الصغير هذايا. Alors ça, je saurais pas ce que c'est. Voilà, mais elle m'a halé tout exactement pour vous dire ce que c'est. Mais c'est juste un petit tournevis. Voilà. Ah. C'est un petit tournevis médior pour régler le format des lunettes et tout. Mais en tous les cas, c'est sympa pour le prix. Ils vous fournissent gars le soir là. Franchement, c'est super cool. Donc, je reviens à l'école. Alors, nous voilà. Le prix t'as les lunettes. Moi, je les ai achetées à 29 euros. 29 euros qui te colle le dinars, ça fait des restes 1000 dinars. Et ils étaient en promo, علاش ? Parce que de base, Idéro 59 euros. Vous profitez de la promo. C'est le moment où j'amène ça y est. Le lien, bien sûr, à la description. Le lien Amazon. Donc, pour ceux qui seraient intéressés de les acheter ou je sais pas moi, de commander. De toute façon, le lien, vous allez trouver le modèle taille que j'ai acheté d'ailleurs et vous allez trouver les modèles correspondants. Mais je vous précise que après les recherches, les derniers. Rapport qualité-prix, Absem Shiralia est super antique, super efficace. D'après Wishkaret, c'est celle que j'ai prise. Elles sont vraiment, vraiment au format. Alors, j'aurais aimé mettre l'étiquette parce qu'elle dérange. Je suis à bizarre. Voilà, gentiment. Et voilà, mes lunettes. Super Halloween. En plus, avec style Entelo, Gdaya et tout. Et je sais pas si vous connaissez le roi Bisou. Je pense que tous les joueurs de League of Legends le connaissent. T'as Eclipsia. Et ben, il n'a pas les mêmes. Mais dès ce genre de lunettes, il a toujours dit que ça l'aidait vraiment pendant ses streams, que c'était reposant et tout. Et franchement, je trouve qu'elles sont super sympas aussi. Voilà. Donc, je tenais à vous partager cette petite vidéo. Hakda, je chauffe un peu mon petit achat. Un petit like, ça serait sympa. Abonnez-vous bien sûr pour ceux qui ne sont pas abonnés et tout. Alhamdoulilah, beaucoup d'unboxing, comme ça vous allez découvrir beaucoup de matos à la soirée et tout que je vais vous faire, qui sera voilà, ça sera sur des unboxing, matos geek, matos PC. Cette année 2018, inchallah, j'ai tellement un programme chargé que ça va en jeter. Voilà, il y aura beaucoup de vidéos de découvertes et tout à l'intérieur. Donc voilà, j'espère que vous allez vraiment me rejoindre. L'équipe, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Oui, bien sûr, j'essaie de faire avec le best of 2017, quelque chose qui est super difficile. Mais ne me demandez pas pourquoi. Je ne l'ai pas encore fait. Il y a des chances qu'il ne se fasse pas. Donc, remettre ses mains, je vous
commentez, likez, donnez-moi vos avis. Regardez surtout la section Amazon pour voir les caractéristiques de Nwadra et tout. On se retrouve à la fin, Inch'Allah. Fait que les gens, à très bientôt, Inch'Allah. Portez-vous bien. Ou t'allah. Ouais, les gens. Ciao, l'équipe. Ciao.